Ok, je suis un boulet. J'avais laissé le son et tout. Voilà, donc je change de scène. Alors, j'ai un. Hop. Alors, j'ai fait un petit truc, j'espère que ça va bien marcher. Donc voilà, là, regardez. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va construire un X-Wing. Donc on voit les pubs passer sur le côté. Donc, aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui faire ça, hein? Bah le 4 mai, hein, le 4 mai, c'est là qu'il faut que je regarde. Là plutôt. On va peut-être même... Hop! Ah, on voit le cadre... Alors oui, si vous voyez des trucs autour de ma tête, jaune, vert, voilà, comme le carré qui est ici, ou des ronds verts, c'est normal. Pour cette caméra-là, j'utilise mon téléphone. Et là, vous voyez, là, mon doigt, j'utilise ma webcam pour avoir une meilleure vue sur ça. Tout simplement. Donc aujourd'hui, le X-Wing pour le jour Star Wars. Après moi, donc à partir de 21h, 21h30, on ne sait pas encore, enfin je sais pas encore à peu près, on aura du Star Wars encore, du Battlefront. Donc on va commencer, hein. Et regardez, hop, j'enlève. Boum. Oui, on voit encore un peu de... Ah oui, c'est là. Donc là, regarde mon doigt là. C'est mon clavier qui est là. Allez, hop. Cachez le clavier. Ouais. On continue. Alors oui, la boîte est malheureusement abîmée. Et ça me fait chier. Oh bon, je viens de la casser, la boîte. Tant pis. Pourquoi c'est... C'est parce qu'il y a du scotch. Allez, attendez. Ah bah ouais, en plus, on voit l'ouvrir, mais comme un... Comme un dératé. Alors, est-ce que... J'ai pas de couteau dans le coin. J'ai une cuillère, mais pas de couteau. Allez. Rapidos. De toute façon, je vais le construire, je vais le mettre sur une étagère derrière. J'avais déjà fait un Lego Star Wars en live. Ça avait pris 8 heures. J'avais fait le Faucon Millennium. Alors, Faucon Millennium, 1300 pièces quand même. Hein. Celui-là, je sais pas combien il en a. Il en a l'air quand même d'en avoir beaucoup moins. Eh, mais... Assistante, j'ai besoin d'ongles. Le mec, il a une assistante. Non, évidemment, c'est moi. Ça va me perturber. De regarder par ici pour vous, regardez-vous. Ah, voilà. Eh. Ah, là. Ah, évidemment. Alors, ça va être ultra chiant. Appuyez pour reprendre. Voilà, je reprends. Et bim! Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je remettrai un peu de musique après. Donc on a différents sachets. Donc les sachets, pour ceux qui construisent des Lego comme ça, vous avez l'habitude, hein, sachet numéroté 4, 5, 3, 2 et le numéro 1. On a des petits stickers qui seront accolés. Tiens, je vais vous les mettre là. Des petits stickers qui seront accolés sur le modèle. Et on a aussi ce livret de construction. Vous voyez, on a étape par étape. Et vous voyez, on a en tout 116 pages. Et on a quand même pas mal, on a l'air d'avoir pas mal de pièces. Ah bah, il y a 717 pièces. Donc la référence, c'est le X-Wing Fighter de Poe. Et le numéro, c'est 75102. Non, j'allais mettre ça là-bas, enfin sur le reste de mon bureau. Ben non, j'en ai besoin. Donc, ben on va commencer par le commencement. Alors, sachet 1. Alors, les bonhommes, j'ai... Ah si, on va les faire. On va les faire. Alors ça, je vais mettre ça ici. Alors vous n'allez pas le voir énormément. Mais moi, je vais le voir. Alors, numéro 2. On va mettre ça là. Alors, 5. Je cherche le numéro. Le numéro 1 est là. Hop. 4, 3. Voilà. Les autocollants, on va les mettre ici pour pas les perdre. Juste derrière le téléphone. Non, je vais mettre ça comme ça. On va essayer de se faire quelque chose de bien. J'ai une boîte, mais j'ai pas assez de lumière ici, je pense. Et je vais me prendre de la lumière. Et regardez, je suis obligé de me rapprocher de vous parce que là. Hop. Ouh.
Ah ouais, alors là, la lumière, elle... je suis jaune. Alors, le temps que ça stabilise un peu, je me vois flou, là c'est bon. On va baisser la lumière. Sur là, pour éviter que je sois trop lumineux, on va dire. Donc, la petite boîte pour mettre les pièces, hein. Et on va remettre de la musique. Un petit fond Star Wars. Voilà. Et on est parti. Ouais, j'arrive à ouvrir. Ouais, ça va être la même. Hein. Ouais, là c'est bon. Je vais juste mettre. Hop. Hop, voilà. Ah, j'ai pas j'ai quand même prévu le sac poubelle, mais. Alors, un truc. Ah, mais ça va m'énerver. J'y penserai pas forcément, parce que vu que le téléphone, quand tu appuies pas dessus, bah, il se met en veille. Bah là, il se mettra en veille. Au pire, je supprimerai ça et voilà. Ah, je voulais faire un truc sur. Alors, je vais juste faire un truc, capture d'écran, webcam, diaporama, voilà, éditer, voilà, on va le mettre en plus gros, webcam, hop, on va remonter ça, ensuite, webcam, on va, ah mais non, mais c'est pas celle-là, alors, oui. Je l'ai mis où? Attendez, je cherche. Capture d'écran, voilà. Voilà, ça devrait être un peu mieux. Je vais juste répondre. Allez, on est parti sur le plan. Vous ne voyez pas. Je pense qu'on va enlever. On va enlever cette webcam pour le moment. Alors non. Tac tac. Voilà. On va enlever ça. Et par moment je mettrai. Donc comme vous voyez ici, vous voyez pas trop à cause de la lumière. On doit faire le petit bonhomme. Voilà. Alors, on a un bout de sa tête. Non, un bout de son corps. On n'a pas la tête. Oh, il y a tout plein de petits sachets. On a des jambes, on a un corps. Alors c'est ça, ça fait longtemps que j'en ai pas construit de... Là, on a un corps ici. Alors les jambes marron avec le corps marron. Ah ouais, c'est ça que j'avais eu comme souci la dernière fois. Voilà. Il nous manque la tête. La tête elle est... j'ai une tête ici, j'ai une deuxième tête là. Alors ce que j'utilisais avant, je vais en avoir une ici pour mettre les pièces. Alors faut que je la retrouve. Ah bah voilà, elle est là. D'ailleurs, on voit encore des Lego. C'est ça, c'est une boîte à cookies où je mettais les pièces de Lego dedans. Mais là j'ai décidé de prendre ça. C'est un peu plus clair. On voit à travers. Voilà. Donc on a dit la tête. Alors. Non, ça c'est l'extraterrestre. Ça c'est son casque. Je viens de l'entendre tomber. Alors, le mec il fait déjà tomber des Lego. Oh, il est où? Ah, je crois que je l'ai. Mon casque qui tombe. Oh la vache. Ouais, je suis toujours là. Hein. Voilà, la tête est bon. Voilà, la tête, on va mettre sur le corps. Tac. Et les jambes. Là, le premier. Alors, la tête de l'autre, elle est où? Ah. Oh.
Je viens de me faire une peur bleue. Donc, voilà. Wouhou! On a rempli la première partie. Donc les petits bonhommes, on va les mettre de côté. Moi je vais les mettre là-dedans, dans cette boîte-là, comme ça sera fait. Donc maintenant, on fait ce qui est un espèce de chariot. Alors vous le voyez pas, je vais vous montrer ça. Voilà, un espèce de chariot qu'on voit pas là-dessus. Est-ce qu'on voit là? Non. On le voit sur la boîte. À mon avis, c'est ça qu'on va faire sur cette partie. Donc, il nous faut un truc comme ça et la pièce avec un espèce de obtenir chariot, j'ai envie de dire. Tiens, pour ceux qui sont là, quel est votre Star Wars favori? Fouche pas. Vous allez voir, je vais galérer à trouver les premières pièces. Et après, au bout d'un moment, ça va aller tout seul. Hein. Et j'ai dit. Ah bah. Il y a un autre sachet. Évidemment. Ah, la pièce que je cherchais là. Allez. Bon, allez. Oh, il y avait une pièce dedans. Encore. Voilà, alors maintenant, il faut... Bah, la pièce que j'ai failli perdre à l'instant, je crois. Non, c'est un rouge. Alors, il nous faut ça qu'on va mettre... Ah ouais, bah. Faut que j'essaye de... Ah, regardez. On va se mettre sur le LD. Alors là, il va y avoir la pièce, donc ça va être ici. Il nous faut une barre de 4, ça va pas être là, non. Ah, est-ce que c'est la bonne couleur? Alors celle-là, je sais qu'il en faut une ici. J'ai dit ici. Alors au début, c'est pas très glamour comme... Comme montage. Alors il va me falloir ça. Il va falloir 4. J'en ai 2. J'ai le troisième. Non, c'est pas là. Et le quatrième qui est caché ici. Donc. Ok, c'est à chaque fois ici. Là. Je devrais peut-être vous montrer le faucon Millennium que j'avais fait. Non, ça c'est du blanc. Voilà. Allez! Alors, il nous faut un gros coup comme ça. Il nous faut un petit rouge lumineux. Bon, ah bah, il faut un petit rouge lumineux pour remettre sur le petit rouge. Donc ça, là, on va le mettre tout de suite parce que j'ai pas envie de le perdre celui-là. Il nous faut cette pièce-là à mettre ici. Celle-là, là. Et il nous faut deux petits noirs. Qu'on voit pas très bien à la caméra, mais... Moi, je les vois, c'est le plus important. Ah, celle-là, cette musique qui fait rêver. Putain. Où est-ce qu'elle est, sa coéquipière? On va enlever les deux là. Ces deux copains, on va les mettre ici. Pour ne pas les perdre. Alors, voyez, j'ai cette pièce là. Les deux petites pièces là, je vous parlais, c'est une comme ça.
Donc ouais, on va mettre la première là. Ah, je l'ai. Et maintenant, il faut 4 espèces de petits phares oranges. Et regardez, regardez la tronche de la pièce. Vous la voyez? Ah, c'est bon, on la voit là. Okay. Voilà, c'est ça. Va trouver 4 pièces comme ça, dans un bordel comme ça. Alors, j'en ai une là. Alors, ça, c'est du rouge. J'en ai une là. On a 3. Et la quatrième est là. Ah, bah, je suis une mauvaise langue. Donc, ça, faut les mettre à chaque bout. Voilà. Et voilà, étape 4 finie. Maintenant, étape 5. Il va nous falloir donc les pièces comme ça et comme ça. Il en faut 2 de chaque. Ça va, des pièces jaunes. Ça se repère facilement. Et non, c'est pas celle-là. Ouais, ça commence à prendre forme. Hein. Attends, je vérifie. Ouais, si, c'est bien là. Ouais, comme ça plutôt. Maintenant, il faut retourner comme ça et trouver 4 pièces translucides. Voilà. Comme ça. Donc j'en ai déjà une. J'en ai déjà 2, je vois la troisième, il manque plus que la quatrième qui doit être cachée quelque part par là. Voilà. Ah, elle était déjà accrochée dans un autre Lego. Donc il faut mettre à chaque coin. Alors on les voit pas, eh, on les voit tellement pas. Voilà, juste regarder rapidement un petit truc. Donc hop, hop, on change de page. Donc on remet dans l'autre sens. Il nous faut les espèces de QQ, j'appelle ça, ou plutôt de joystick. On l'a un. Le deuxième, il est là. Et il nous faut cette pièce-là. Vous voyez, hein. Pour le moment, c'est plutôt simple. Et celle-là, on la met au-dessus. Dans quel sens? Comme ça. Si j'arrive bien à la... l'enfoncer dans son angle. Voilà. Alors, huitième étape, vous voyez, là, il y a plein de trucs. La huitième étape prend la moitié de la feuille. Hein. Il nous faut 4 points rouges. 4 petits... c'est des rouges translucides. Alors, on l'a un. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas malin d'avoir mis sur du fond comme ça. S'il m'a... ouais, ça se voit autant l'un que l'autre. Hein. Tac. Et tac. Ensuite, il nous faut 4 petits bras articulés. J'appelle ces bras articulés jaunes là. C'est bon, on les voit vachement bien en fait. C'est... il en faut 4. Hein. On a 2. Il en manque un. Non, le bleu. Ensuite, il faut une espèce de pince. Ah bah, je l'ai.
la pince, il faut un cube comme celui-là. Et il faut la porte que nous avons là et qui est déjà abîmée. Ah non, c'est bon. C'est juste un peu poussiéreux. Voilà, on a tout. Donc. Voilà, alors ça fait porte, voilà, c'est ce qu'il nous est demandé. Maintenant, il faut empiler les quatre, les uns sur les autres. Alors c'est ce genre de truc, des fois ça part dans tous les sens et que je ne sais pas ce que j'en fais après. Faut mettre là-dedans. Alors. Voilà, c'est bon, c'est mis dedans. Ensuite, je ferme, je mets les 4 pions jaunes comme ça. Faut bien les mettre. Hein. Ouch, je viens de me faire mal. Je vais bien voir mon patron demain lui dire « Ah bah, je suis désolé, je peux pas bosser, je me suis fait mal au doigt. » Mais comment t'as fait ça? Bah, j'ai joué au Lego. Voilà. Ah, j'ai directement mis la clé hein, dessus. Et il faut mettre un autocollant. Les autocollants, les amis, hein, il faut trouver l'autocollant numéro 1. Voilà, l'autocollant numéro 1. Et il faut le coller juste en dessous. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, si on voit le petit pion à l'intérieur. Vous voyez, quand on ouvre, on a les 4 qu'on a mis. Alors, j'attends la mise au point. Mise au point automatique, s'il te plaît. Youhou! Non, bah ça veut pas. Donc je mets l'autocollant. Ah, l'autocollant. C'est celui-là là, qui est au bout de mon doigt là. Ouais, ça va. Et celui-là, on le met. Ah, bah oui. Comme ça, plutôt. Voilà. Je pense qu'on a fini le... Ouais, on a fini le petit... Le petit, comment dire... Comment on pourrait appeler ça? Transpalette Star Warsien? Ouais, on peut dire que c'est un petit transpalette. Donc, transpalette fini, je vais le mettre de côté. On change la page, encore une fois. Ah oui, et là on va faire l'espèce d'échelle qu'on a vu tout à l'heure. Alors, l'espèce d'échelle, je vais vous remontrer sur la boîte. Facile. On l'a là. C'est l'échelle pour monter dans le X-Wing. Alors, il nous faut cette pièce-là. On va mettre là. Il nous faut l'échelle. Il nous faut deux petits. Qu'est-ce qu'on a déjà utilisé tout à l'heure? Une, deux. Ah, on va déjà le faire maintenant. Donc c'est poser là. Et poser là. Étape 3, il nous faut un cube comme ça qu'on va mettre ici. Et on va accrocher l'échelle là. Voilà. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir été là. Au revoir. Non. Non, quand même pas. Oh, hein. Alors, on va le mettre parce que là, on commence à attaquer le gros. Du gros. Comme vous voyez, hein, regardez. Hop, on va faire ça. Donc, il nous faut un grand. Regardez, hop, comme ça. Ensuite, il nous faut deux petits espèces de pieds, j'ai envie de dire. Ça a l'air de ressembler à ça, j'ai un... Ah, je sais pas, là. Ah, si, si, c'est ça. Si, c'est là. Alors. Un comme ça, et le deuxième, il doit être dans le coin. Voilà. Voilà. Ensuite, on va mettre cette pièce-là. Hein. Alors, je vais pas vous montrer à chaque fois les pièces qu'il faut mettre, hein.
Cette pièce-là et deux grises. Hop. Alors, on la met comme ça. Et de chaque côté. Voilà. Ah ben, je sais pas. Je me suis coincé le doigt dedans. Alors, je vais peut-être déplacer un peu la lumière. Ouais, il n'y a plus de... Voilà. Là, c'est le dark side. Là, c'est le bon côté. C'est comme ça. Ah ouais, ça a l'air d'être comme ça. Ensuite, on reprend une pièce comme ça pour la mettre ici. Donc à mon avis, ici on fait le dessous du vaisseau. Et une pièce qui doit être celle-là. On va être ici. Voilà. Ouais, ça, ça doit être le dessous du vaisseau. Ouh, des pièces oranges. Oui, parce qu'un X-Wing sans orange, c'est plus un X-Wing. Hein. Et donc, dans les coins, ici. Rendez compte, ce Lego-là, je l'ai, mais depuis des mois et des mois. Et chercher une bonne occasion de le faire. Et quelle meilleure occasion qu'un Star Wars Day. Alors, ça va être ici. Ça, alors, on en a... Voilà. Un ici. La marche impériale. Pam 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 pam. Donc il nous faut encore deux comme ça. Voilà. Alors qu'on va mettre ici et là. Et là, on commence à avancer, ça commence à prendre forme. Alors, il nous faut une pièce comme ça. Alors, c'est quoi ces pièces noires? Alors oui, je tire sur mon tapis du jour. Alors, il nous faut... Alors, la pièce en gelée, des pièces noires qui font comme des espèces d'escaliers. Et qui ont un trou comme ça à l'arrière. Donc, c'est cette pièce-là, hein. Hop, voilà la deuxième. Et il faut des petites pièces avec des trous en dessous. Voilà. Donc celle-là, en forme d'escalier. On va mettre ça là. Pareil ici. Celle-là là. Ensuite, donc l'étape 9 terminée. On passe à l'étape 10. L'étape 10, il nous faut... un long comme ça.
Voilà, donc on est rendu là, il nous faut mettre celle-là ici. Allez, ça rentre comme dans du beurre. Hein. Et il faut la mettre au milieu, j'ai l'impression. Ah bah, regardez, il y a trois trous. Vous voyez, hein, il y a un trou là, un trou là. On le voit avec mes doigts là. On voit bien les trous. Il faut mettre dans celui du milieu. Et il faut mettre celle-là à l'intérieur. Alors, il faut pas se tromper de sens. Parce que si, regardez, si je le fais dans ce sens-là, c'est bon, c'est dans le même sens que le dessin. Mais si je le fais dans l'autre sens, il se peut que je doive tout déconstruire ensuite. Ah, voilà. Voilà la partie compliquée. Donc, ça rentre, je vérifie que ça rentre bien déjà de base. Ah bah voilà, c'est rentré. Voilà, je pense qu'il faut faire la même parce qu'on voit la petite flèche. Ah oui, regardez, il faut un petit peu rouge. On va mettre ici. Voilà. Et toi, tu vas là. Voilà, on est bien. Deux trucs orange. On a un là, un second là. Et quatre petits pions de 1. On veut un premier. Un deuxième. Troisième. Et quatrième. Alors. Ok, donc c'est ici qu'il faut les mettre. Ouais, genre j'en fais tomber, j'en ai marre. Ah ben, je regarde pas et je les mets directement. Alors, donc ça va être... Ah non, ça va être comme ça. Attends. Je crois que je me suis gouré. Ah non, si, c'est bon. Alors, ce qui est bien quand tu fais des Lego, c'est que tu as une pièce qui ne se met pas. C'est ça. Ça permet, alors, de mettre comme ça et de retirer les pièces sans s'abîmer les ongles. Donc, étape 20 terminée. Alors, ah bah faut refaire la même chose de l'autre côté. Hein. Faut faire ça, mais de ce côté. Alors, faut faire ça, mais de ce côté-là. Tac, tac. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Hop. Alors, faut pousser un peu plus. Alors, je vais faire avec les dents. Voilà. Et j'ai oublié une pièce. Ah non, j'ai trois pièces, c'est bon. Alors là, je pense que ça va être vraiment pour bouger les ailes du X-Wing. 22. Ah. Oui, donc il faut une comme ça, les deux comme ça et une comme ça. Donc, alors, on va faire ça sur le blanc. Donc il faut accrocher ces deux pièces ensemble.
Dans la boîte à cookies. C'est quoi ça? Ah oui, c'est un bout de tournevis. Oui, j'ai une boîte à cookies, en fait. Voilà. C'est avec différents restes de... De différents Lego que j'ai monté par le passé. Donc, hop. Et on va tous les mettre là-dedans. Ceux qui sont en trop. Bon, par contre, j'ai pas intérêt à la mettre... à la faire tomber. Sac numéro 2. Il y a un mini sac dedans. Donc mini sac. On va mettre dans la petite bobotte. Voilà. Petite bobotte qui est là. Je vais la mettre là plutôt, comme ça vous la verrez et tout. Vous direz, waouh, il a une boîte pour ranger ses Lego, ses pièces de Lego. Alors, on va mettre les pièces. Les pièces là. Ah non, je vais dézoomer un chouïa. Propriété. Parce que là, maintenant j'ai l'impression que c'est trop zoomé. Voilà, là. Bah là, je vois plus mes mains. Enregistré. Coucou. Le mec, il fait que des bêtises. Donc, il nous faut deux espèces de radiateurs, de grands radiateurs. On va appeler ça comme ça. Couleur noire. Ouais, super, du noir sur du noir, du bleu foncé. Bah. Non, elles sont pas là. Est-ce qu'elles sont là-dedans? J'ai bien ouvert la poche 2. C'est pas ça qu'il me faut. Alors ça va être des pièces comme ça, il m'en faut une. On va la mettre tout de suite. C'est celle qui se met ici. Et donc là maintenant il va falloir ces deux petites pièces là. Ah voilà, elles sont là. Et ici. Ah, alors celle-là ne veut pas rentrer. Voilà. 33, deux pièces comme ça, donc une. Il faut avoir l'œil des fois. Ah, là, voilà la deuxième. Et une pièce type radiateur. Ok, la pièce radiateur, elle se met ici. Là, là. Je sais pas, on la voit au bout de mon doigt. Elle est, y a la pièce qui est là. Et juste au bout. Ouais, on la voit bien la pièce radiateur. Alors ça c'est pas du Star Wars. Ah si, c'est un Star Wars remix. Oh la vache. Ouais, mais c'est quoi cette playlist d'OB? Et on va changer, on va repasser sur de la musique traditionnelle. Tiens, non. Ouh, relaxing Doctor Who music. Attention, ça arrive. Hein. Alors. Donc le radiateur on l'a mis et les deux cadres. Alors non, ça c'est pas la bonne pièce. Il m'en manque une. Il me manque une pièce. Non, elle est là, c'est bon. Et elle se met au bout. Alors là, si t'es toujours là, Evan, ça devrait être moins stressant comme musique. Un fauteuil. C'est l'étape 34 que je suis en train de faire. Que j'avance assez rapidement. Alors. Je cherche cette pièce-là. Alors, c'est pas celle-là parce que là, il y en a 4. C'est pas celle-là. Je
Regarde, ça y est pas dedans, non. Je vais manger un peu, arrive un peu tard. Oh, pas de soucis, Emmerich. Hein. Sympa déjà de passer. Là, elle est où la pièce? Je ne trouve pas la pièce. Non, elle est pas dedans. Je suis peut-être aveugle. Hein. Ça se trouve, vous la voyez, vous faites... Non, mais elle est là, là, juste à côté de ton doigt. Non, parce que c'est pas ça. En gros, c'est la... c'est les mêmes que celle-là, sauf qu'il y a une rangée en moins. Vous allez voir, il va déjà manger... je vais déjà manquer d'une pièce. Alors, on va les trier un peu. Oh, c'est celle-là. Elle est là. Je regardais la mauvaise couleur, les gens. Voilà. Ensuite, il nous faut deux petits L et une pièce jaune unique. Pièce jaune avec un seul trou au milieu. Ça se met où? En face du siège. Allez, alors là, il y a ma grosse main qui gêne toute la vue. Et là, il y a mes gros doigts qui gênent tout. En même temps, je peux pas faire autrement. Je suis obligé de passer au-dessus. Et le petit. Ça doit être une commande. Hop. Tournez un peu. Voilà. Ouais, vivement qu'on fasse les ailes. Hein. Les deux plus plus. Alors j'ai un plus, j'ai un plus. Alors ça va être ici. Pièce là qu'on va mettre ici et une petite pièce noire que j'aime pas du tout, c'est ces pièces là. Elles sont bizarres, qu'il faut mettre dans le trou du bas. Voilà. Oh, je vais faire comme ça là. Alors, il faut une pièce comme ça qu'on va mettre ici. Voilà. Donc, il me faut une pièce là. Une deuxième pièce. On va la mettre sur la poche là. Et un petit bitonio rouge. Et qu'il faut mettre... Alors, le rouge, c'est en bas. Voilà, vous voyez, hein, ça s'emboîte directement. Maintenant, on va faire ça. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, là, vous voyez... Non, vous voyez pas. Là, il y a trop de lumière. Vous voyez, il y a marqué 1 sur 1. Donc, c'est l'échelle. Donc, on peut poser la pièce pour voir si c'est la pièce de la bonne taille. Et là, comme on voit, c'est la pièce qui est de bonne taille. Donc... Voilà, il nous faut 3 pièces tuba, on va appeler ça, donc 1, 2, et la troisième elle était là, donc il nous en faut 2 comme ça, donc les 2 sont là, un petit truc noir, nous l'avons là, 2 petits trucs rouges, donc 1 et 2, et 2 bleus, un bleu là, et un bleu là. Alors là, vous voyez, sur ces pièces-là, souvent, il y a des numéros. Là, c'est numéro 2. Là, j'ai donc des numéros 2. Donc, c'est bon. Parce que des fois, il y a des pièces qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau.
Mais elles ont une petite différence qu'on voit pas forcément direct, donc on se réfère sur le numéro... Ah non, vous verrez pas. Donc je prends une pièce, donc le numéro dans ce sens-là, donc... Rouge là. Donc rouge là. On met les copines à côté. Alors toujours le 2 vers le bas, ok. Alors dans l'autre sens. Alors je sais pas s'il y a vraiment un sens, mais je préfère. Alors on met sur l'extérieur un petit truc bleu, sur chaque un petit truc bleu. Et au bout, alors, pourquoi j'ai demandé un or comme ça? Alors l'étape est pas finie, l'étape 41. Eh, hey, bonsoir Yildan. C'est mon sabre laser. Non. Et donc le noir, normalement, il va se mettre au milieu, mais par en dessous. Ou si ça... Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, il faut le mettre au bout. En haut, en haut. Hein. Alors souvent, c'est là que c'est le plus compliqué. Hein. Donc, faut le rentrer dans ce trou-là. Ah bah, allez, c'est rentré, c'est vraiment rentré bien. Pas totalement. Voilà. Donc ça, eh, ça fait quand même... voilà, ma main, bon, j'ai une main qui est assez grande quand même. Hein. Vous voyez la taille du vaisseau? Donc là, on est à l'étape 42. L'étape 42, il nous faut un marron et 5 petits jaunes solo. Encore la blague. Solo, un solo. Hein, oui, rigoler. J'espère que tu vas bien, Hildan. Donc là, les jaunes, c'est facile. Faut les mettre sur le bâton marron. Un sim Lego, j'avais jamais vu, mais c'est sympa. Bah, je me suis dit, Ivan, aujourd'hui, bah, c'est le 4 mai, hein, donc le jour Star Wars. Je me suis dit, pourquoi pas. Pourquoi pas faire un truc par rapport à Star Wars. Et j'avais le choix entre faire ça ou du FTL modé Star Wars. Donc je me suis dit, allez. On va faire du Star Wars, enfin du stream Lego que j'avais déjà fait par le passé. Alors ça, on va mettre ça de côté pour le moment. Et je vais bien, je vais bien. Donc il nous faut une première pièce, c'est un rectangle de... Alors, gris, normalement, voilà. C'est cette pièce-là. Cette pièce-là, on la met là. Ensuite, il nous faut un espèce de... C'est pas un Z, non? Ah non, c'est les pièces comme ça. Et elle s'ouvre. Au départ, je croyais que c'était juste un carré de 4 comme ça. Mais non. Magie. Magie, magie. Et vos idées ont du génie. Alors. Donc, une comme ça. Attendez. Juste... Voilà, comme ça. Il faut l'autre. Voilà. Voilà, il faut... On fait à peu près comme sur l'autre page, mais vous... Ah, c'est dommage que vous ne voyez pas. Ensuite, il nous faut des pièces. Non, c'est pas celle-là. C'est combien là? Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 et 3, 6, 7, 8. Alors, on va les attacher là. Ah là, je pense qu'on est en train de faire les ailes. Commencer les ailes en moins. Voilà. Et je vous montre quand même. Parce que là, on est ici. Il nous faut 4 oranges de 2. Alors, 1. 2, 3 et 4. Je vais prendre 30 secondes pour boire un petit coup. Le dernier Lego que j'ai fait en stream, ça a duré 8 heures. J'avais construit le comment ça s'appelle? Le Faucon Millenium. Un truc, je crois, c'est 1300 pièces qui fait. 8 heures de stream, vous voyez, ça a été un peu dur. Donc il nous faut ces deux-là, parce que là, on est à cette étape-là. Voilà. On reprend des petits trucs comme on avait au début.
Ah oui, pour les mettre. Voilà. Voilà. Donc ça fait une petite aile. Je pense que ouais. Je suis pas sûr, mais mon petit doigt me dit qu'on est en train de construire des ailes. Alors. C'est simple, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Tab 7, il nous faut. C'est des combien ça? Ah oui, c'est des 3. Elles sont là. J'aime bien les Lego, mais j'aime les Lego plus les Lego Star Wars. Hein. Comme tout à l'heure, je montrais une figurine Lego. Enfin, moi, je suis très Star Wars de base. Hein. Je sais pas si t'es déjà venu sur mon stream, mais par exemple, en arrière-plan, donc tu vois mon Gwenadu, donc le drapeau de la Bretagne, et juste à côté, j'ai une boîte et c'est un sabre laser qui est à l'intérieur. D4. Alors. Tac. Voilà, donc là, hop. Oh la vache! Pardon. Poum, poum, poum. Tac. Et merci de ton follow, Théo. Ça fait plaisir. Mon première fois. Allez, je monte. Allez, si. Si on a fini, je montre le. Oh bah, je suis en train de casser le. Je montrerai le sabre laser tout à l'heure. N'hésite pas à follow, ça. Ouais, je pense que tu follow déjà, hein. Sinon, tu serais pas. Tu serais pas là. Oh là là, mais c'est quoi ce truc là? Ça a l'air d'être assez. Assez énorme. Alors, il faut. C'est là, il faut ça, et après les deux qui sont. Ouais, donc tu vois, habituellement, comme il y a la pub qui est marquée. Là, je fais du Rimworld. Non, c'était pas la bonne pièce. Voilà. Alors, il nous faut les 4. Les 4 qu'on met sur ça. Ah, sur... Oh la vache. Vous voyez, hein. On a déjà construit ça. On construit déjà, on a moins de pièces, mais on a déjà pratiquement construit un truc aussi long que l'autre, que précédemment. Il faut encore les petits carrés qui s'ouvrent. Ah oui, pour. Alors, hop. Ça. Il m'en faut un autre ici. Alors, je connaissais pas ces pièces carrées qui s'ouvraient comme ça là, mais. J'aime bien. Bah, alors, si je mets pas dans le bon sens, ça va pas le faire. T'as deux vaisseaux Star Wars. T'as lesquels là? Moi, j'aime bien voir savoir les gens, ce qu'ont les gens, ce qu'aiment les gens, surtout. Ah ouais, donc ça va aller là. Voilà. Ah ouais, on va les poser ensuite. Il me faut un radiateur. Oh là, attends. Qui? C'est les pièces radiateurs que j'appelle ça. Hein. C'est celles qui sont grillagées en fait. Enfin, il m'en faut deux pièces fermées. Il m'en faut des grandes fermées. Et une orange fermée. Alors, tac, tac, tac. Alors, c'est fermé en petit ici. La orange là. Et ensuite une grande ici. De l'autre côté, c'est. Hop, le radiateur. Ouch. Radiateur et la grande. Maintenant, on retourne. Et il nous faut des comme ça. Bon, on retourne. Ok. Je comprenais pas trop sur le plan. Ouf, j'ai failli casser.
Le truc que j'ai en horreur quand je fais du Lego comme ça, c'est quand t'es rendu à un point avancé dans la construction, tu fais un faux mouvement et que tu pètes tout. Alors, maintenant... Alors... Voilà. Je vois pas pourquoi on a fait les pièces qui s'ouvrent pour finir par le fermer comme ça. Bon, c'est le plan qui le dit, hein. Alors, il nous faut un de... comme ça, un de 8, j'appelle ça, et deux petits L. Alors, ils sont où? Alors, j'aime bien, on a le plan là. Mais ils disent pas où faut mettre les pièces. Ah si, alors. Il y a celui-là, cette pièce-là qui va ici. Voilà. Donc là. Par contre, les deux petits L, vous voyez... Ah mais non, vous voyez pas sur le plan. Allez. Je vais décaler. Regardez. Une petite larme, hein. Je sais pas ce que... C'est de la poussière. Alors, les deux petits L, on a deux petites pièces comme ça à mettre. Là-dessus. Ah mais non, je me suis trompé, je vois où on les mettre. Ouais. Assistante, j'ai besoin d'ongles. Ah la vache. En fait, je l'ai mis à... Je l'ai mis à un endroit... je l'ai décalé d'un. Et moi qui étais un habituel rongeur d'ongles, je n'ai plus d'ongles. Attendez. Non, on va pas utiliser ça. Qu'est-ce que je pourrais... Ouais, on va y aller à l'arrache. Ah, 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 ah. C'est bon. Voilà. Et donc les petits L. Tac. Et tac. Voilà. Donc c'était là. Ensuite, il nous faut... Ah. La pièce qui est censée enlever les Lego, mais qui n'arrive pas à le faire, se mettre là. Donc, alors, c'est une orange ou une rouge, ça? J'arrive... Ah non, c'est une translucide, donc c'est une rouge. Il nous faut une 6, là. Une 6 grise. Par contre, j'en ai pas de... J'en ai plus de comme ça, là. J'en ai plus, je crois pas. Bah non, j'en ai plus. Où est-ce qu'on a, on a utilisé des pièces comme ça pour le passer? Ici, on en a utilisé qu'une en fait. Qui est d'ailleurs ici. Je regarde si j'ai pas loupé quelque part. Alors déjà, je vais mettre les autres. Si ça se trouve, en mettant les autres, je vais faire... Tiens, je l'ai trouvé. Alors là, c'est celle qui attrape. Celle qui attrape, elle se met... là. Ensuite, on a l'autre qui tient quelque chose. Attends... Ah, alors déjà, celle-là va là. La petite rouge qu'on a déjà sortie va se mettre ici. Ah bah le X-Wing, c'est celui que je fais. Cherche un nouveau vaisseau impérial. C'est une impressette. D'accord. Il manque cette pièce-là. Alors, ce n'est pas celle-là.
Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. Ce ne sont pas celles-là. Oh, il va manquer une pièce. Ah! Ouf! Elle était prête à tomber de mon bureau. Oh mon dieu, j'ai de la chance. Mister Chance! Un carré blanc, on l'a. Un escalier. On l'avait, là. Ok, comme ça. Ensuite, deux petits plots orange. Deux comme ça. Et deux comme ça. Voilà. Alors, c'est à côté du siège. Ici. Alors, je mets les pièces en place, hein. Ah, qu'est-ce que t'as fait? Ah oui. Oh. Ah c'est. Je vais à ça, mais. Tu dois te déban d'ailleurs, Eldan, là. Essaye de voir si tu peux causer. Mais normalement c'est bon. C'est juste parce que t'as écrit faucon. Ouais, le bot fait pas la différence entre con et faucon. Ouais, alors. Le faucon Millennium. C'est un truc qui est gros comme ça. Eh, tu vois, il passe même pas entièrement la webcam. Et merci à Vacha du follow. Je te le montrerai un peu plus. Et là, je vais le faire tomber. Je vais péter toutes les pièces. Et je vais pleurer. Alors, on a fait l'étape 48. Alors, passons à l'étape 49. 49, il faut deux trucs orange. Nous les avons ici. Il nous faut un petit truc rouge. Nous l'avons là. Et deux gris comme ça. Un là et un là. Donc, ici. Ici. Le rouge. The Fallen Angel. Alors, non, bah... Salut The Fallen Angel. Alors ça doit pas être Faucon qui doit être ban. Je vais demander sur le Discord de la team LDLC. Et les mots qui sont ban. Alors. Parce que là. Ça vaut cher, ça a été un cadeau. C'est un cadeau. Alors ça, on les a fait. Attends, bah non, il nous manque les deux oranges. Les deux oranges qui se mettent, ok. Ils se mettent ici. Et là. Alors The Fallen, hein, n'hésite pas à parler quand même. Hein. Et désolé, hein, c'est le bot. Voilà. On a fait les 50 premières étapes, il en reste. Il en reste beaucoup. On est à la moitié. À la moitié, on est à 1h20. Ah, je pense pas qu'on va le finir en live. Hein. On va essayer. On va essayer de se manier à le faire. Alors, il nous faut deux petits... Non, c'est pas celui-là. Alors, il nous faut ça. Alors, étape 2. Ouais. Alors, tiens, Ildan, on va faire un petit test. Écris Millennium pour voir. Franchement, je kiffe les Star Wars Lego. Ah bah, t'es pas le seul, hein. Là, c'est bon, alors, il me faut ça qu'on va mettre ici. Voilà. Et les deux pièces de 1 qu'on met là. Et là, on met la pièce blanche sur les deux gris. Vous voyez, hein, j'accélère... J'accélère quand même un petit peu. Hein. Ensuite,
Le blanc, comme ça, hein, je regarde bien, oui. Par-dessus. Oh! Ok, je vais t'unban. Ban. Ah non, alors c'est. Hop. Alors normalement, Ildan, c'est bon. Dis-moi si tu peux écrire. Au pire, si tu n'arrives pas à écrire, tu m'envoies un Wisp. Voilà. Ça, c'est bon. 51, c'est fait. Il nous faut donc cette grande. Celle-là. Celle-là. Voilà. On va mettre l'orange ici. T'arrives à écrire, Eldan? Ensuite, il faut retourner le vaisseau. Ah, c'est bon, t'es là. Et une touche comme ça. Et normalement, on a fini le sac 2 là. Non! Oh, on va. On a... Il reste une étape. Ok. Donc là. Et le radiateur par-dessus. Il nous faut l'autocollant numéro 2. Ok. L'autocollant 2, c'est juste l'écran de vision pour se déplacer. Non, parce qu'il a écrit Faucon Millenium. C'est le mot Millenium en fait qui doit être ban. Voilà. Et passons. Alors regardez, il reste 3 petites pièces. On va le mettre dans notre emplacement. Et on va ouvrir le sac numéro 3 qui est à ma droite. Niveau de distance, j'ai vu 2 mètres de long. Oh, ça doit être génial ça. Hop. Faut bien regarder que dans les papiers s'il n'y a pas de. De comment ça s'appelle. Alors, non, faut se mettre dans ce sens-là. Ah ouais, il tient pas. Regardez. Je tiens, il retombe. Alors, je le mets là, vous le voyez à peine, mais c'est. Ah, quoique, on va essayer de le. Voilà. Alors, il nous faut une pièce. Une pièce carrée comme celle-là. 2500 €. Oh. Deux comme ça. Alors, c'est peut-être là-dedans, celle-là. Ouais. Une là. La seconde là. Et un petit L orange. Petit L orange que nous retrouvons ici. Alors. Ah voilà, c'est ici. Là, petit L orange. Il en faut deux. Ah oui, il en faut deux. Petit L orange, j'ai mal lu. Moi, j'ai vu des vidéos de personnes qui ont pris les gros vaisseaux impériaux et juste après, ils jettent par terre. Oh bah, d'un côté, moi, je kifferais le faire aussi. Mais, si je le fais, je serais tellement déçu parce que le taf que tu mets à construire un Lego, tu fais en 3 secondes, c'est détruit. Alors, il faut deux oranges comme ça. Ouh, c'est quoi cette pièce? Voilà, une pièce comme ça, il en faut une deuxième. Et voilà. Alors, je vous montre pas, je remets pas correctement les deux pages. Hein. Vous comprendrez pourquoi. Ouais, elle veut pas se mettre. Donc c'est. Non, c'est dans ce sens-là. Ouais, c'est dans ce sens-là. Faut pas que je me trompe de sens. Hein. D'ailleurs, allez, on va faire une petite pause pub réseaux sociaux, tiens. Alors.
Hop. Voilà. Non, voilà. Le bot, il est génial. Malgré qu'il banne les gens pour écrire certains mots. Voilà, n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux, sur le Discord, sur Twitter. Twitter, je réponds assez régulièrement. Ah, toi, t'as le blanc. Ah. Ah non, moi, j'ai celui du Star Wars 7. Ah oui, si, c'est là. Voilà, ensuite, 2, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le premier ici. Non, c'en est pas un, c'en est pas un, c'en est pas un, c'en est pas un. Ah, oh, il y a tellement de trucs noirs. Ah, voilà. Le deuxième là, et il nous faut des espèces de trucs plongeants. Bah, tu sais. Attends, je vais marquer un. Voilà. Bah, tu cliques sur mon pseudo et c'est ma chaîne. Mais je stream plus souvent ici. Non, ça a pas l'air d'être là. Ah. Ah, voilà, c'est une pièce comme ça. Et voilà la deuxième. Hop, voilà. Donc 58, c'est fait. Allez, on enchaîne. Oh, on peut mettre le vaisseau de côté. Alors, il faut ça. Il en faut deux comme ça. J'ai les deux. Il faut deux bleus. En voilà une. En voilà deux. Il faut. Oh, cette pièce-là, je l'ai pas. Elle est où celle-là? Elle est pas là-dedans. Donc, elle va être sûrement par ici. Voilà, elle est là. C'est cette pièce-là que j'aime pas. Il nous faut. Comme ça, il nous faut le truc. Ça doit être celle-là. Ouais, c'est celle-là. Elle est marrant. Il me faut les trois comme ça. Un. Est-ce que c'est la bonne taille? Non, c'est trop grand. Voilà, c'est des comme ça, des petits. Et il en faut 3. 2 et 3. Donc 1, 2, 3 et 2 petits jaunes. Ça doit être. Cela. Tu es programmé. Oh non, oula. Je suis pro gamer sur Minecraft. Ça compte? Non. Alors, on met ça à l'intérieur. Ensuite, on met un bleu là. On met deux comme ça. Alors. Ouch! J'ai tout cassé. Voilà, alors ça, je vais faire pareil de l'autre côté, comme ça. Voilà, attention. Allez. Ouch! Je me fais mal au doigt. Voilà! En plus, étape 3, donc il faut celle-là qui monte vers le ciel. Non, je suis loin d'être gamer. Je suis gamer. J'aime le jeu vidéo. J'aime partager ma passion, tout simplement. Alors, on va faire un truc. Ah bah tiens, regardez. Là, là. Ça, c'est moi qui fais du RimWorld. Alors, donc, on continue. Ouch! Je me fais mal, hein. Voilà. Donc là, on est rendu à l'étape 5, là, là, juste là. On fait l'étape 6. L'étape 6, c'est de mettre celui-là, là. Avec le petit... Non, c'est dans le mauvais sens que je le mets. Là, alors. Pourquoi tu veux pas rentrer? Parce que je le mets dans le mauvais sens encore une fois.
Voilà. Donc là, on est rendu à l'étape 6. Maintenant, l'étape 7, il faut... alors, ça. Ah. Non. Ah oui, mais non, attends, j'ai oublié de mettre ça. Ah, j'aurais pas dû manger mes ongles, hein. Et on remonte, voilà, ensuite, regardez la bêtise que je viens de faire. Voilà. C'est bon, la bêtise est réparée. Et donc là, on reprend le vaisseau. Et on le colle là. Et on vérifie bien, hein, regardez. Ça tourne, c'est que c'est bon. Deux pièces rainurées sur le côté. Oui, j'utilise des mots nouveaux à chaque fois que je reparle de ces mêmes pièces. Voilà. Oh, j'ai le casque qui est lourd là. Voilà, on passe là. Ici, il faut un 4. Ça là, et deux petits qui vont être là-dedans, je suppose. Voilà, ici et là. Qu'on va mettre là. Et là. Ensuite, 1, 2, 3. 3 et 3. 6. What? WTF, point d'exclamation, d'interrogation, point d'interrogation. Oui, bonjour à toi, El Lumpo. Il est où celui-là? Où est-ce qu'il est? Bah voilà, il est sous mes... Alors, ça va être là. Regarde. C'est pratique, j'ai dû l'utiliser une fois sur une pièce qui est à ce niveau-là et qui ça n'a pas marché. Je suis rendu où là en fait? Ah si c'est là, il faut deux comme ça. En voilà une. En voilà une deuxième. Ok. Facile à mettre ça de là. Voilà. Étape suivante. Deux L orange qui ne sont pas là, qui sont. Hop! Une ici, une là, les L orange. Oh là, c'est caissé à l'intérieur. J'espère que tu vas bien, El Lumpo, que tu fais pas une crise cardiaque à voir du Lego. Hein. Hop, il faut un de deux. Avec des. Alors, c'est pas celle-là, ça va être ça. On va mettre ici. Alors c'est des 6 qu'il nous faut. Ouais, je pense qu'on a perdu El Lumpo. Et reviens mon ami, reviens. J'ai manqué ce... Ouais, celle de 4 qui est là et qui va se mettre ici. Voilà, ensuite, pièce radiateur. Pièce radiateur qui va se mettre ici. Donc là, hein, juste où il y a mon pouce, quoi, c'est la pièce que je viens de mettre. Il me faut après des pièces. Ouais, c'est celle-là. Alors, on colle ça ici. Faut que je m'habitue. Et là, il faut deux petits phares. Alors je suis sûr qu'il va me rester mais voilà les pièces à la fin de celui-là.
Voilà, donc celle-là c'est bon, on attaque celle-là, donc ça c'est 3 et 3, 6, 7, 8. Donc c'est des trucs comme ça. Et les espèces de... mini-radiateurs encore? Non. Non, c'est pas des mini-radiateurs. Ouais. En fait, je veux tout appeler mes pièces des mini-radiateurs. Tac. Construire un autre vaisseau avec les pièces qui me restent à la fin. Ça serait drôle. Donc il nous faut cette pièce trouée là pour la mettre ici. Voilà. Je commence à avoir mal au cou. C'est ça qui, aussi qui est un peu gênant dans quand tu fais des Lego. C'est le mal de cou que ça peut t'apporter. Une de 4. Une barre. Ça doit être une barre comme ça. Ouais. Une orange comme ça. Une petite jaune. Comme celle-là. Et une pièce. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Alors. Attends. Est-ce que c'est la bonne au moins? Ah, c'est les deux mêmes celle-là. Ah oui, non, je viens de comprendre. Il y a du Sunfollow le pauvre. Ah, j'espère pas. Cool, ça change. Eh bien, you are so cute. Merci. Alors, ça va être ici. Voilà. Donc, la noire va être à côté. Et la dernière va se mettre ici. Bah, j'essaye de pas faire comme les autres. Ah, donc ça se met. Alors. Donc le vaisseau est comme. Attends, faut que je mette dans le même sens. Ah non, c'est dans celui-là alors. Voilà. Donc c'est là hein, qu'on a mis cette pièce-là. Et il fallait. Le petit jaune, faut pas l'oublier. Oh là là. Bah, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager le stream. N'hésitez pas à taper point d'exclamation LDLC pour les réseaux sociaux de Team LDLC. Ensuite, maintenant, on va faire ça. Donc, il faut cette pièce-là. Il faut cette pièce-là. Ça va être là-dedans. Il faut cette pièce-là. C'est bon. Et... cette pièce là. Donc une petite. Oh la vache. C'est quoi ces pièces qui nous sortent? Si c'est bon, je l'ai trouvé. J'étais point sûr. Alors, donc. Hop, ici, le 3, là, ça, ici, et... Alors, ça va être dans ce sens-là. Voilà. Et je remets la pièce. Eh. Non, juste cette DLC, Ildan. Eh, The Fallen. Ouais, je vais dézoomer. J'avais zoomé, mais je vais dézoomer. Fallen, prends ça en photo. Ton chien qui regarde la télé avec les Lego. Et franchement, je trouverais ça énorme. Alors là... Ah oui, non, pas là, parce qu'on voit un peu mon bazar, là. Voilà le bazar. Ouais, comme ça devrait suffire. Hop. On voit un peu... Hop, regardez. Hop, je suis caché. J'ai caché. Donc ça c'est bon, on passe à la suivante. Alors, suivante.
Il faut ça, alors ça, on va la mettre là. Et ok. Et le radiateur qui est juste au-dessus. Faut aussi que je m'habitue, hein, l'iron, à me mettre comme ça. Parce que j'ai l'habitude de faire là, hors champ caméra. Donc là, je vais essayer de vous faire plaisir. Alors, le orange se met en bas et il faut la version noire qui se met au-dessus. Et j'essaye d'être rapide. Ok, j'ai oublié une pièce. Ah bah oui, bah j'ai oublié là le petit noir que j'aurais dû mettre à cette étape. Qui se met... Vas-y, tu rentres ou pas? Ah, c'est dommage, The Fallen. Ah, c'était juste dans ce trou-là. Pour mettre cette pièce là. Ensuite, ça c'est fait. Ça c'est fait. Il nous faut un petit noir, un petit orange. Alors, on a le petit orange. Il nous faut le petit noir. Alors, je suis en caméra. Ouais, non, mais c'est dur. Voilà. Tac. Tac, donc 72, c'est fait. Ouh, là, on va commencer. Je pense qu'on va commencer les ailes. Donc, il faut ça. Il faut ça. Il faut ça et deux petits écrous, on va dire, comme ça. Ah oui. Hop. Et... Oh, raté. Voilà. Il faut juste faire dépasser un peu, apparemment. J'arrive plus à le mettre dedans. Bah non, en fait, j'ai pas de... Je suis un peu... C'est-à-dire que j'ai essayé de faire au mieux. Et donc, alors, faut que je me remette dans le bon ordre. Comme ça. Eh ben oui, là, ça tient. Voilà. Parce qu'après, il faut aussi. Il y a du bazar un peu partout autour de chez moi. Donc voilà. Tu vas bientôt. Merci de ta sympathie. Bah, pas de soucis, The Fallen. Et n'hésite pas à repasser. Donc, une pièce orange. Et ma pièce que je vais appeler la pièce Batman. Hop. Ça va se mettre par ici. Alors. Voilà. Et la petite pièce orange qui se met ici. Ah, 75. Oh, il y a tout plein de pièces. Oh, mais c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Bon, je mets le vaisseau de côté. Donc ça... Alors, je vous rappelle, ne tapez pas Faucon. Le nom du vaisseau de Han Solo, donc ne tapez pas Faucon Millennium. Parce que... Oh, j'ai perdu une pièce. Ah non. Orange là, noir là, une petite jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors... Alors, c'est dans ce sens-là. Le orange de ce côté-là. Ouais, alors là, là vous voyez strictement rien. Parce qu'il y a mes gros doigts. Voilà, tac tac. Alors, comme tout à l'heure, hein. Et on va faire ça. Alors, allez. Celui-là. Attends, faut que je comprenne. Ça va, si ça va le faire. Et ça, ça se met ici.
Voilà, donc. Taper le vaisseau Faucon Millennium. Donc ça c'est bon, on passe à cette étape là. En fait, on refait la, on fait ça, mais de ce côté là. Tac. Non, j'ai un doute là. Si, c'est bon. Hop. Ah, il est vachement plus grand que ce que je pensais, hein. Voilà. Ah. Attention, ça jette des choses. Alors, il faut de la pièce bizarre. Les mini-pièces. Et merci de ton follow, Cheyenne. J'espère que je prononce bien. Et reviens par là, toi, mini-pièce. Hop. Donc, mini-pièce là, ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ici. Ça. Et ça. Ah oui, alors. Faut que je tape. Faut que je mette ça de ce côté-là, je crois. Ouais, si c'est bon. Je regardais si c'était le bon sens, quoi. Tac. Celui de 3, il va se mettre là. Ça, ça se met ici. Je viens de me faire mal au pouce. Voilà. Alors, Zombie Panda, je sais pas quel est mon prochain. J'aimerais faire l'étoile de la mort. Clairement, l'étoile de la mort est potentiellement l'un de mes prochains. J'ai envie de dire. Un des prochains que j'aimerais faire, plutôt. Ah, voilà, il faut le petit bitonio noir que j'ai en main. Il faut le mettre là, à l'intérieur. Oh, j'ai un... Ah bah attends. Oui, bah j'ai un petit souci, en fait, j'ai inversé. Enfin, c'est pas que j'ai inversé, c'est que je l'ai mis Non. Donc ça, j'ai oublié un radiateur. Il va se mettre ici. Donc le noir c'est en haut, c'est ça? Ouais, le noir c'est en haut. L'orange. Ah bah non, ouais. Si je le. Je dis en haut et je le mets en bas, je suis. Totalement débile. Tac. Tac. Alors là, on était ici. Hop. Alors là, je crois que j'ai une pièce qui manque. Non. Voilà, ça c'est un ticket de caisse. Hein. Oula. Ça me file des cauchemars. Parce que là, normalement, il nous faut une pièce comme ça, noire. Oula. Je crois que j'ai fait une bêtise là. Voilà. Je pense que c'est ça la bêtise. Là. Heureusement que je m'en suis aperçu assez tôt, hein. En officiel, zombie. Alors là, un petit. Alors la petite touche orange qui était là.
Un petit noir. Voilà. Celle-là qui va aller là, je suppose. Là, il en faut une autre qui va aller derrière. Ah, si on... Là, là, Raven. Là, c'est bien, je suis... Ah, regardez, juste après moi, là. Là. Du Battlefront. Ah, il faut bien, un peu de FPS Star Wars pour finir cette journée, hein. Et je vais réussir à la mettre. Voilà, 82. Ouf. Oh, va falloir que je mette des stickers. Ouh là là, j'aime pas ça. C'est agaçant. Ok. Bon, là, c'est... C'est relaxant, moi, je dirais, plutôt. Allez. On va changer. Eh bien, merci Redox du follow. Alors, non, je vais pas mettre celle-là. Non plus. Non plus. On repart sur du Star Wars. 3 et 6 en stickers. Où j'ai mis les stickers? Là. Alors, le 3 se met en deuxième et le 6 en... Ouais, celui-là, je l'ai collé vachement bien. Oui, tu peux, Ildan. Alors, tu peux soit sur Twitter, si t'as un compte Twitter, soit sur Discord. Tu tapes... Ouais, tu peux taper le Discord LDLC. Donc, tu fais point d'exclamation LDLC. Ça te donnera l'adresse d'un Discord. Ok, donc ça... Oula, attends. Et voilà, tu peux les mettre là. Je crois que j'aurais jamais pensé à regarder un live de montage Lego. Eh bien, il y a une première fois à tout. Et j'espère que t'apprécies quand même pas taper, hein. Alors, il nous faut deux petits L. Donc, on les a là. Non, ils se mettent où les L? Ils se mettent là. Je me suis fait mal. Et les grands, alors, les grands après se mettent là. Alors, je vais assez rapidement parce que j'aimerais le finir avant, avant 15 minutes. Ce qui risque d'être potentiellement impossible. Donc, est-ce que je le garde de côté et qu'on finisse tout ça en stream, ou alors je le finis chez moi, enfin je finis en stream et je vous montre le résultat final. Ça c'est bon, ça tourne. Non, parce que là en fait il va... Alors, on va y aller au plus vite. On va aller au plus vite. Ah non, c'est en dessous. Oh là là. J'avais pas vu que c'était en dessous là. Il me reste 60 pages. Ah non, il me reste 30 pages, les gars. Alors là, ouais. Hop. On a vu mes effets élégants. Ah ouais, je suis hors champ, désolé. Les ailes, c'est rapide. Ah bah. Ça, c'est bon. Oh, j'ai cru que j'ai perdu une pièce là.
Ah non, les pièces qui... Il me manque cette pièce-là. Oh. Je regarde, non, elles sont pas tombées là. Oh, il me manque une pièce. J'ai perdu une sacrée pièce. Alors, je vais juste mettre l'écran de pause rapidos. Voilà. Allez, ça, ça va être là. Ah non, c'est bon, je l'ai retrouvé. Hop, je remets la bonne scène. Elle s'était cachée. Là, là, celle-là. Elle s'était cachée. Alors. Il m'en reste en fait deux sacs. Deux sacs, ça va être compliqué, je pense. De finir à temps. Alors, est-ce que vous voulez qu'on le finisse en stream ou pas? Et oui, le maillot et le DLC en fond. En plus, c'est un maillot qui a mon nom, quoi. Alors. Allez, en stream, allez. Je le finirai donc. Ah, déjà, il tient sur ses. Il manque les ailes, en fait. Et donc là, normalement, voilà, j'attaque le sac numéro 4. Allez, hey, hey, on va essayer de se dépêcher. Hey, j'ai ça, une pièce en trop. Hop, je mets dans mon petit tas de pièces en trop le sac numéro 4. Je vais l'ouvrir. Le pied à l'envers. Ah ouais. Oh, c'est pas grave. Voilà, je l'ouvre proprement. Hop. Allez, en dedans, toi, je te mets ici. Ouh là 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 là. Regardez, regardez, il y a assez une pièce. Voilà. Ah oui, il y a un... Oh, il y avait BB-8. Attends, ils me mettent lui, mais lui, je l'ai déjà construit. C'est quoi ça? Je sais pas. Ah ben non, il y a un monsieur là. Allez, on va construire le monsieur. Je la mets dans quoi? Attends, je vais regarder sur... Tu t'as qu'à le mettre dans discussion. Il ira où, le X-Wing? Le X-Wing ira avec mon Faucon Millenium. Il me manque des jambes. Elles sont là. Alors, il y a un pistolet. Le pistolet... Hop, putain. Là, je te mets... Non, c'est bon, ils sont là-bas, les autres. Ah bah. Alors, j'ai le corps de BB-8. Il doit aller. Oh la vache. Regardez. Ah, vous voyez là. Alors, vous voyez à peine, il y a un petit trou. Il faut caler ça là-dedans. Alors, je vais voir où est le chapeau de... Enfin, le chapeau. La tête de... Ah, voilà. Et je crois qu'il y a un peu... Non? Ah non, c'est bon. Oui, ça... Bah, tu sais que moi, mon Faucon Millenium, il est...
Oh non, celui-là, il est trop de travers. Voilà, c'est déjà mieux, là. Ensuite, il nous faut ça. Ça qu'on va coller... ici. Voilà, coller. Non, pas coller, évidemment, mais il soit pas... bip. Donc là, ça fait 1, 2, 3. Donc ça va être comme ça. Attends. Mais si c'est comme ça. 3, il nous faut un translucide qui va se mettre ici. J'ai failli faire tomber une pièce. J'aurais été malin à faire tomber cette pièce parce que je l'aurais pas retrouvée. Ça c'est bon, là je suis rendu ici. Il faut un petit carré pour mettre là. Pourquoi j'ai un 2 là? Parce que je l'ai oublié ici. Ok, merci, pas taper. Voilà. Ça fait tout de suite plus propre. Alors ça c'est fait. Ouais, je tire de plus en plus. Ma nappe du soir. Alors, le truc qui tire. Bah attends, j'ai oublié un truc là. Et oui, j'ai oublié ça là. Ça va passer. Ça passe pas. Il est là. Alors ça, c'est ce qui permet de tirer. Ah si, c'est dans le bon sens. Voilà. Je regarde, c'est la bonne taille. Alors ensuite, il va me falloir... Non, c'est pas comme ça. C'est un comme ça, là où il y a un petit trait, je crois. Voilà. Et un petit truc comme ça. Et j'arrête pas de tirer, ça m'énerve. Voilà. Alors, maintenant, j'ai mis où le vaisseau? Je l'ai mis là. Avec le pied à l'envers. Tu me donnes envie de me faire un 5 setup pour construire des Lego, j'y ai pas pensé plus tôt. Eh bah... J'ai envie de dire, bah génial. Attends, je le mets comme ça. Alors déjà ça va comme ça. Ah ouais, attends, ça... Voilà. J'ai déjà, j'ai la première aile, les gars. Enfin, premier bout d'aile. Bon, je peux le reposer ailleurs. Et là, on entend un gros badaboum. Non, là, je vous dis, les gars, si on entendait un autre badaboum, si on entendait un badaboum, je serais en train de pleurer. Dans 10 minutes, je risque de ne plus être là, pas tapé. Intérieur, oui. Ça risque d'être le coéquipier ISO qui fera du Star Wars Battlefront.
Ah mais non. Ah. Allez où la. Oh, elle a marché pour une fois. I am happy. Tac. Alors, je me dépêche. Là, ça va, c'est assez simple. Hein. C'est la même chose que tout à l'heure. Donc, alors. Dans ce sens-là, j'ai rien oublié. Orange, orange qui va être ici. Ça là, il va nous falloir une petite orange. Ah, ouf, là. Petite orange ici. Alors non. C'est là. Alors. Voilà. Alors, je sais pas si c'est en décalé. Ah si c'est en décalé. Par là. Ah donc là, on retourne. On met un petit bitonio ici. Un deuxième bitonio là. Un truc noir comme ça. Ici. Un gris avec un trou là. Donc ça c'est bon, on peut passer à l'étape suivante. Donc c'est là, pareil pour l'autre côté. Neuf, dix, il me faut l'autre côté. Voilà. 11, il va me falloir 11, je sais ce qu'il me faut pour la 11. Il me faut ça. Il me faut un petit 1. Bonsoir Alex Dijon. Il me faut un petit 2. Et il me faut celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Moins 1. Hop. Petit autocollant numéro 8. Petit autocollant numéro 8. Ce sera plus simple de le coller maintenant que... ça doit donner quoi à la fin? Attends, je vais te montrer ça. Je colle le... Et déjà, bonjour à toi Camille. Hein. Bonjour, plutôt bonsoir comme tu viens de le dire. Je colle ce petit stickers. Enfin, j'essaye de coller ce petit stickers. Allez, ça le prend bien. À la fin, c'est censé donner... alors, on va mettre de l'autre sens. C'est censé donner ça. Alors, on le voit pas très... Voilà, pas entièrement. Et voilà. Alors, j'étais en doute. Là, oui. Alors, ah oui, la 11... Ouch. Ouais, mais je préfère quand même le Faucon Millenium que j'avais fait avant. Attends. Ah non, mais non, c'est oui, c'est dans ce sens-là. Voilà, ensuite il nous faut... Ça c'est fait, je suis rendu à cette étape-là, là. Super goldé. Alors, il me faut un petit de... Comme ça. Il nous faut un de 4. Et il nous faut... Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Hop. Là, il va falloir le stickers numéro 9. Numéro 9, je suis là. Alors. Celui-là, on va le coller d'abord. Enfin, c'est pas qu'on va le coller, c'est qu'on va le... Mettre la pièce d'abord. Là. Pour ensuite coller ce petit sticker juste ici. Voilà. Donc là, ça, c'est bon.
Cette pièce-là se met où? Cette pièce-là, elle va se mettre là. Il me faut la grande pièce comme ça. Il me faut... alors, on va la mettre dans le bon sens. J'ai une pièce qui me manque, je sais pas où est-ce qu'elle est. Ah, je vais changer de scène rapidos. Attente. Ah ben non, elle s'était cachée. Et regardez, hop, elle s'était cachée. On la retourne. On met une pièce comme ça dans ce coin-là. Bah, bon appétit à toi, Zombie Panda. Ah, je l'avais sous la main. C'est cette pièce-là. On va mettre. Attends. Attends, comment il veut la mettre, celle-là? Ah, faut que c'est... Ok. J'avais un peu de mal à lire. Donc, 3, c'est bon. L'étape 4, il nous faut un petit truc comme ça pour mettre ici. Et... On a mis 24 heures à le faire. Waouh. Et évidemment, celle-là, je l'ai mise au mauvais endroit. Oh, comment je vais la choper, celle-là? Oh, c'est plutôt simple. Voilà. Ensuite, il nous faut un comme ça. Ah oui. Qu'on va mettre là. Et à côté, c'est... C'est ça. Ça va entrer. Il nous faut une petite lumière ici. Un petit truc comme ça. Là. Non, là, ça, ici, le truc qui tire, nous allons le mettre, ah non, attends, alors faut pas que je me trompe, voilà, il nous faut un stickers numéro 7, il nous faut quelle couleur, parce qu'il y a deux fois, deux sortes de sets différents, ah non, j'ai rien dit. Le set là. Il est collé à mon pouce. Oh, celui-là, celui-là. Ça, c'est du collage de professionnel. 7, 8, il nous faut un radiateur. Le radiateur, on le met où? Le radiateur, on le met là. Ensuite, nous mettons cette petite pièce escalier. Ici. Alors, c'est dans quel sens? Ouais, comme ça. Hop. Voilà, donc 13, 14. Il nous faut cette pièce-là que nous allons coller ici. Ensuite, il nous faut une plus petite que nous allons coller là. Il nous en faut deux comme ça. Ces deux-là, on va les coller ici. Et là. Il nous manque plus que à coller cette petite pièce là. Un radiateur, nous allons coller où ce radiateur là? Ici. Et un petit 2 là. Pour finir, à coller un stickers numéro 4. Attends, c'est tout ça le stickers 4? Oh la vache. Alors, sticker 4. Comme ça. Attention, la précision digne d'un grand horloger. Hein. Ensuite, il nous faut un truc comme ça. Il nous faut... ah non, si, c'est bon. Ouh, j'ai eu peur. Donc c'est comme ça, donc ça va rentrer ici, hop.
Ensuite, nous allons mettre ça. Nous allons mettre ça. Voilà. Nous reprenons notre vaisseau avec sa patte folle. Alors là, il va falloir être précis. Yo, c'est vous. Voilà. Ça donne ça. Oh, je suis déçu. Oh, je suis pour la... Yo, Lord Blizzard. Je suis pour l'instant ultra déçu. Alors... D'accord, il y a des élastiques à mettre, des élastiques qu'on doit censé mettre là. Mais... Que je n'ai point... Je vérifie quand même dans les sachets. Non, ça c'est vide. Petite scène de pause pour chercher... En dessous. D'accord, je n'ai... En même temps, hey, ils sont malins, ils mettent des élastiques bleus alors que j'ai un fond bleu, moi. Ah, alors là, c'est la mer noire. Ouais, donc je n'ai pas ces élastiques. C'est pas grave. Ça, j'irai en récupérer au travail. Hein. Hop, Lego. Ce qu'on va faire... je vais pas... Attendez... Ouais, après, c'est l'autre... c'est l'autre... Je vais pas faire l'autre page. Je remets. Et rapidement, la page de pause. Ouais, j'ai avancé. Je vais montrer ça. Je vais juste... Je reviens très, très rapidement. Bravo, la scène qui se décale. Qui c'est l'idiot qui a fait ça, hein? Je vous le demande encore. Alors. Ah, ça doit pas être... Oh là là! Alors, ça, on peut enlever. Je vais même l'éteindre. Alors, Iso est prêt pour reprendre. Hein. Oh, regarde, c'est ma lampe. Chut. Chut. Voilà, tu caches le sabre laser. Donc... Alors, je me suis dit, donc pendant que j'ai AFK, si ça se trouve, les deux élastiques... Ah, mais si! Ah bah, oh, je suis un génie. J'avais cette boîte-là, la petite boîte. J'ouvre rapidement. Et voilà, j'ai deux petits élastiques. Alors, je regarde. Merci du follow, le petit sanglier. Fais gaffe, hein, s'il y a un Obélix qui traîne par là.
Hop. Alors, je mets rapidement. J'avais oublié cette petite boîte. Et voilà, voilà. Alors, on est rendu à ça. Donc, la moitié. Donc, Iso, si t'es là, si tu prends un X-Wing, fais gaffe à regarder s'il manque pas une aile. Hein. Ok, regardez. Voilà, ça s'ouvre. Voilà, ça s'ouvre. Ça se referme, ça s'ouvre. Voilà. Donc, il manque juste l'aile de droite qu'on finira demain. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est, on en a parlé tout à l'heure avec je sais plus qui. Je sais plus. C'est pas très très grave, c'est ça. Regarde, le truc est plus grand que ma tête, hein. Ah oui, on va faire ça. Et ça passe devant moi. Même avec deux ailes, je me crache. Donc voilà, hein. Le fameux Faucon Millennium en Lego. Alors, qui s'ouvre vraiment. Alors, je vais vous l'ouvrir comme ça, montrer rapidement. Comme ça, Iso pourra vous montrer comment se cracher en X-Wing. Vous voyez, en termes... Ah, oh, bah je viens de casser un bout. Non, c'est bon. En termes de détails, vous voyez, hein, c'est assez impressionnant, l'intérieur. Il y a même en dessous... En dessous, on a le... Alors, ici, il manque... Là. Où il y a mon doigt qui bouge. Il manque un petit cache qui est à côté. Et là, on a le truc qui fait piou 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 piou. Ouais. Oui, je fais des piou piou. Alors celui-là, le Faucon Millennium m'a pris, j'allais dire 8 heures. Non, il m'a pris 8 heures en live à le faire. Alors, je vais le poser là, j'espère qu'il va pas se péter la gueule. Non, c'est bon. 8 heures en live. Nous, là, on va se laisser là. On se retrouve demain, 19h, 21h. On finira le X-Wing quand même. Et on partira soit sur du Rimworld, soit sur du Terraria, ou soit sur du FTL, pour qu'on continue un peu dans l'esprit des vaisseaux spatiaux. Je vous mets l'écran de pause, et je donne la main à Iso, qui va vous apprendre à comment mourir sur ce Star Wars Battlefront. Oui, oui, je sais, Iso. Je ne crois pas en toi. Mais tu vas réussir. Et que la force soit avec toi. Non, je ne le ferai pas gagner, Ildan. Je le garde pour moi. Et demain, je vous montre ça, le fameux sabre laser qui est quand même énorme. Allez, à la prochaine.